Alors, aujourd'hui, nous avons l'avantage hein, de vous présenter un certain nombre de terminalia dans cette zone ici. Hein, il y a au moins trois terminalia. On voit que c'est une zone assez humide. Le sol est plus ou moins argilo-sableux. Hein, on peut voir le sol argilo-sableux. Et le grand pied que nous voyons devant nous ici, en fait, il s'agit d'un Terminalia laxiflora. Mais vous allez voir tout à l'heure que dans la zone, il y a d'autres terminalia. Hein. Et souvent, c'est assez délicat. D'où l'importance d'ailleurs de cette vidéo, de faire la distinction entre Terminalia laxiflora, Terminalia macroptera, Terminalia avicennoides. Mais nous allons montrer par leur description, surtout la description des feuilles, hein, comment on peut s'y retrouver avec ces plantes qui sont de la même famille des Combretacées. Justement, pour faire cette distinction, on a pris, après le grand pied, naturellement un jeune pied de Terminalia laxiflora. Et l'on peut regarder le tronc là, hein, n'est-ce pas? Qui est strié. On le voit clairement ici, avec un fond qui est plutôt une couleur brune, hein, rougeâtre, tandis que donc dans le fond et donc en surface de ça, on voit des écorces donc plus élevées qui ont un ton qui tend plutôt vers le gris foncé. Mais ce qui est remarquable ici et qui va nous permettre de faire la distinction avec les autres, c'est que le mot laxiflora, comme on l'a décrit dans une vidéo déjà, évoque la longueur du pétiole de la feuille. Et quand on regarde, hein, on voit là un pétiole qui est de l'ordre de 4 cm. Hein. On peut prendre plusieurs feuilles, 4 cm, hein, 4 cm, on peut le remarquer sur plusieurs feuilles. Donc le pétiole est relativement long. Alors toujours dans le registre des différences hein, et donc de l'identification, on peut voir aussi que les feuilles de Terminalia laxiflora sont d'une couleur vert clair, hein, hein, légèrement foncée au-dessus, mais en bas c'est vraiment clair. Mais c'est des feuilles glabres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils vraiment. On ne sent pas de pubescence. Et en plus de ça, la forme est généralement, surtout quand on regarde les jeunes feuilles, c'est une feuille généralement ovale. Hein. On ne voit pas d'enflure très très distinctive sur la feuille. Et bon, c'est des grandes feuilles aussi, hein, mais on va voir que d'autres Terminalia peuvent avoir des feuilles qui sont plus grandes. Bon, donc ça, c'est pour Terminalia laxiflora. Si on résume un peu, donc il y a des feuilles qui sont glabres, hein, qui sont de forme souvent ovale, mais surtout le terme laxi référent au fait qu'il y a un pétiole assez long ici qui atteint facilement 4 cm. Alors, chez son cousin, à Laxiflora, on a le Macroptera qui est ici. Et une des différences les plus évidentes, c'est surtout que Macroptera a des feuilles quasiment sessiles, à subsessiles, c'est-à-dire qu'il y a des pétioles très courts. En fait, quand on mesure le pétiole, il dépasse rarement 1 cm à 1,5 cm, hein, ça se voit très clairement. Hein, tout ce groupe de pétioles, de feuilles, ont des pétioles très très courts. Mais aussi, quand on regarde la forme de la feuille, ici, la forme de la feuille est obovale. C'est-à-dire qu'il y a une partie enflée, généralement donc dans le tiers supérieur, une partie enflée, n'est-ce pas, qui fait que la forme ovale régulière n'est pas observée. On voit pratiquement sur toutes les feuilles, hein, on ne peut pas parler d'une forme ovale nette. Alors, dans ça, c'est Terminalia macroptera. Et on peut remarquer aussi que ces feuilles sont en haut, ces couleurs un peu vert foncé et en bas vert clair. Mais il n'y a pas de pubescence ici non plus. Donc, aussi bien sur Laxiflora que sur Macroptera, il n'y a pas de pubescence. Et quand on regarde l'écorce du tronc, on voit là, il y a aussi des stries. Hein, hein, il y a des stries avec un fond qui est un peu marron. Et donc, en haut, donc sur les bosses, hein,
on peut dire, c'est un peu plus gris clair en ce moment. Maintenant, le troisième cousin, c'est Terminalia avicennoides, qui est là devant nous. Quand on regarde l'écorce du tronc, hein, on peut voir que là aussi, il y a un fond, hein, c'est légèrement, disons, strié. Il y a un fond qui est couleur, disons, rouge, hein, couleur un peu rouille, avec les bosses, les stries qui sont en surélévation d'un gris un peu clair aussi. Donc, en se basant sur la couleur simplement du tronc, c'est un peu difficile de faire la distinction. Mais ici, déjà, on peut voir que le pétiole est assez visible. Hein, c'est 3,5 cm sur celui-là, sur cette feuille. Là aussi, on peut mesurer facilement 3,5 cm, presque 4 cm même. Hein, et ça, c'est régulier sur les feuilles. Donc, il est impossible de confondre ça déjà avec Terminalia macroptera. Par contre, la confusion peut être faite avec l'axiflora, qui a aussi des pétioles assez allongés. Mais où est-ce qu'on peut faire donc la différence? Eh bien, surtout que les deux feuilles, ici aussi, la feuille a une forme, disons, ovale assez régulière, hein, et comme sur l'axiflora. Mais contrairement à l'axiflora, eh bien, le dos est recouvert ici d'une pubescence qui donne assez abondante d'ailleurs, hein, qui donne cet aspect blanchâtre qui va permettre de distinguer nettement donc Terminalia avicennoides de son cousin Laxiflora. C'est en tout cas un des traits que nous avons trouvé qui permet de faire clairement cette distinction. Alors nous avons coupé ici les feuilles des trois arbres, hein, des trois Terminalia. Là à gauche, on a Terminalia Laxiflora. On peut voir donc le pétiole assez long qui atteint facilement 4 cm de long et une forme ovale assez régulière. Là, nous avons Terminalia macroptera avec le pétiole très court, généralement pas plus de 1 cm, une forme obovale. Et là, on a Terminalia avicennoides, une forme ovale assez régulière, un pétiole relativement long qui atteint facilement 3 cm, 3 cm et demi. Maintenant, quand on regarde le dos, on voit que avec avicennoides, eh bien, le dos est très très tourmenteux. Hein, c'est couvert de poils qui donne cet aspect blanchâtre qui tranche nettement avec les deux autres Terminalia. Quand on prend Macroptera, le dos est relativement glabre. Hein, et quand on prend maintenant Laxiflora, eh bien, le dos aussi est relativement glabre. Bon, mais cela dit, les trois arbres, hein, peuvent atteindre facilement 12 à 15 mètres de haut. Hein. À présent, nous allons nous intéresser à Terminalia avicennoides, qui est un arbre ou un arbuste qui atteint facilement, nous avons dit, entre 12 et 15 mètres et que l'on retrouve souvent sur le sol plus ou moins sablonneux, laissé en jachère, le champ laissé en jachère. On peut voir ici, c'est assez sablonneux, même si on peut deviner un peu d'argile de lierre, c'est assez sablonneux. Et souvent c'est des champs laissés en jachère, hein, quand même, et qu'on rencontre un peu partout en Afrique tropicale, depuis le climat de savane, hein, jusque le climat de type guinéen, surtout les forêts sèches. Donc on le retrouve du Sénégal au Cameroun, jusqu'en Éthiopie parfois. Et la distribution peut être régulière, et peut être aussi irrégulière, parsemée. Alors, quand on regarde cet arbre, hein, on voit que le tronc est assez fissuré, hein, on dit même profondément crevassé. Bon, ce tronc n'est pas très gros, mais quand il va grandir, on voit les fissurations sont plus grandes. Et on voit qu'il y a deux tons là. Il y a un ton un peu au fond, qui est rougeâtre, tandis qu'il y a un gris clair sur les écorces, disons, en surface. Donc, ça c'est assez remarquable. Et quand on essaie d'enlever un tout petit peu là,
une partie de l'écorce. Là, hein, on voit hein, ce. Donc, il y a d'abord une couleur en surface, il y a une couleur, disons, rougeâtre, de type rouille, là, en surface. Donc, on voit là, hein, en surface de l'écorce. Mais c'est une fine pellicule qui est ensuite, qui cache une deuxième couche qui est jaunâtre. En fait, l'arbre est recherché un tout petit peu à cause de ça, hein, sinon beaucoup à cause de ça, hein, de cette couleur jaunâtre qu'on récupère souvent pour faire la teinture et faire la coloration d'outils ou bien de tissus de l'artisanat. Donc c'est un arbre qui est assez exploité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut parcourir des kilomètres hein, pour trouver un tronc. Nous avons donc trouvé celui-là, mais dans la zone ici, il y en a assez souvent. Donc, on va s'intéresser maintenant à la description des feuilles. Alors, pour décrire les feuilles, nous considérons là un rameau, hein, qui contient aussi un fruit d'ailleurs. Il y a plusieurs fruits en fait. Hein, c'est cet arbre déjà. On voit un autre fruit derrière ici. On n'est pas loin de la route ici, donc c'est un peu couvert de poussière. Mais si on regarde ça, on voit que c'est une disposition alterne en spirale. Hein. Les feuilles montent en spirale. On voit un pétiole qui est attaché là, un autre là, un autre là, un autre là. Hein, ça tourne. Ça tourne en spirale autour de la tige et monte. Et donc on dit que c'est une disposition en spirale ou alterne spiralée. Maintenant la feuille elle-même, on peut la regarder, les couleurs. Hein. Le vert est relativement sombre dans la face qui regarde vers le ciel, hein, mais pour les jeunes feuilles, ça dépend un peu de l'habitat, hein, ça peut être d'un vert beaucoup plus vif. Et donc au dos, ce qui est remarquable surtout, c'est le fait que c'est couvert de poils, c'est tomenteux, qui donne cet aspect blanchâtre d'ailleurs, qui permet de distinguer Avicennoides de par exemple l'Axiflora. Parce qu'Avicennoides a ses feuilles qui possèdent aussi des pétioles relativement longs. On peut regarder ici, celui-là, bon, ça fait 2,5 cm hein, de longueur de pétiole. Celui-là, 2,5 cm aussi. Mais on peut aller jusqu'à 3 cm. Vous voyez là, celui-là, 3,5 cm même pour, pour le pétiole de cette feuille. Alors, quand on regarde le limbe, on voit que la forme est d'une forme ovale assez régulière. Hein. Là aussi, c'est un trait distinctif. Et la largeur pour cette feuille développée est de l'ordre de combien 6,5 cm. Tandis que la longueur atteint facilement, disons, 19-20 cm. Maintenant, si on regarde toujours le limbe, on prend cette feuille, on voit que les nervures sont assez visibles, notamment la nervure centrale, couleur un peu blanchâtre, qui tire un peu vers le jaunâtre quand la feuille vieillit. Et quand on regarde les nervures secondaires, hein, bon, même si elles ne sont pas groupées face à face, de manière opposée, on peut compter quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, peut-être 25 à 30 paires de nervures secondaires qui sont beaucoup plus visibles évidemment sur la face inférieure, aussi bien la nervure principale qui est vraiment nettement en relief, on sent que c'est sculpté là-dessus. Hein, de même que les nervures secondaires. On ne voit pas les fleurs sur ce rameau, mais on peut deviner leur positionnement hein, en regardant le pédoncule qui porte actuellement le fruit. Et là, on voit qu'ils sont sortis à l'aisselle de la feuille. Hein. Donc, les fleurs sortent en fait en épi axillaire, l'individu faisant dans l'épi environ 4 mm de longueur, l'épi même allant jusqu'à 12 cm. Donc, ces fleurs sont de couleur blanchâtre. C'est très beau d'ailleurs, hein? Un blanc type crème, quoi. Après, ces fleurs sont sans pétales. Et lorsque ces fleurs sont fécondées, vont donner naissance à ces fruits que l'on voit là, hein, un peu papyracés. En fait, c'est des samars à deux ailes. Et donc, très anguleux au milieu, une sorte de bulbe anguleuse au milieu,
très dur qui contient en fait la graine. C'est des fruits indéhiscents, donc ça ne va pas s'ouvrir automatiquement pour laisser tomber la graine. Et là, si on regarde les dimensions, c'est largeur 1 cm dans la partie papyracée, jusqu'à une longueur de 5 cm environ. Et on voit ici, la couleur est d'un jaune, avec des taches grisâtres à maturité. Et là, on voit, il y a d'autres fruits d'ailleurs sur ce plan. Toujours concernant les fruits, donc ça c'est le fruit de Avicennoides. Nous avons voulu comparer là avec le fruit de Terminalia laxiflora, qui est sous forme papyracée aussi, un samar à deux ailes. Et bien entendu, la couleur ici est beaucoup plus vert clair, et les angles semblent plus apparents que le fruit de Avicennoides. Mais c'est des fruits qui se ressemblent beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui n'est pas spécialiste, se baser uniquement sur les fruits, ça peut être un peu délicat pour distinguer ces plantes d'ailleurs. Voilà. Donc, mais on a les fruits de Laxiflora sont généralement plus longs. On mesure ici, là, combien ? Jusqu'à 8, 9 cm. Bon, celui-là, 8 cm, on va dire. Tandis que Avicennoides a un fruit de longueur de 5 cm. Quoi. Parmi les utilisations, entre autres, on peut mentionner le fait que les racines, mais aussi l'écorce des troncs, avec cette couleur jaunâtre, est récupérée pour faire la teinture. Mais aussi l'écorce et même le bois décomposé est utilisé aussi par les commerçants pour faire une sorte d'encens qu'on vend sur les marchés. Maintenant, il y a de multiples usages avec les combretacées. Notamment, les combretacées sont réputées pour lutter contre les maladies du foie. Alors, il y a un certain nombre d'usages thérapeutiques que nous allons lister, bien entendu, sans donner d'avis médical, à la fin de, cette vidéo. Mais pour l'instant, on peut peut-être parler de quelques noms locaux. Par exemple, au Mali, les Bambara vont appeler Terminalia avicennoides Woloche. Mais les Malinkés diront Woloke. Notez bien la différence entre Che et Ke. Tandis que les Peuls vont l'appeler là-bas Poulemi. C'est un peu horizontal, les Peuls l'appellent comme ça aussi au Burkina, au Sénégal, Poulemi. Les Senufo du Mali vont l'appeler Nagopele. Quand on part au Burkina, les Moussi vont l'appeler Kondre. Les Djula Kafourok. Kafourok. En Côte d'Ivoire, les Baoulés, par exemple, diront Kouma. Et au Bénin, en Bariba, on dira Bero, ou bien Broguenou. Au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Rep-Rep, ou bien Reb-Reb. Tandis que les Sérères vont l'appeler Mboulem. Mboulem. Les Djula de Casamance vont l'appeler Fafourok. Fafourok. Ça, c'est entre autres des noms locaux, Et donc, nous allons lister les mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute ou partie de cette merveilleuse plante que nous pouvons contribuer largement, parce que c'est assez menacé, à cause de l'exploitation intense sur ses racines, sur son écorce. Nous encourageons chacun à pouvoir les introduire dans ses champs, dans ses jardins, dans sa cour même, pourquoi pas, parce que c'est une plante d'ombrage assez extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur, disons, Terminalia avicennoides.